Mes salutations à toi, c'est la baiser. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va parfaitement bien puisque je suis là dans cette pièce propice pour le tournage des vidéos ASMR. Voilà, c'est calme, c'est sombre, c'est tranquille, c'est essentiel, c'est bien, c'est parfait. Voilà, ça aide à trouver le calme. Tout simplement le calme. Et donc, ce calme m'a fait se poser. Est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ce calme me permet de réfléchir. On va le dire autrement. M'a permis de réfléchir et de réfléchir sur un sujet précis. Je me suis demandé une chose, je me suis dit, tiens, quelle serait la méthodologie du futur, ben, pour créer des vidéos YouTube. Créer des vidéos YouTube ASMR, bien évidemment, je précise ASMR, puisque voilà, ma chaîne est spécialisée sur cette technique de relaxation. Donc, je me suis posé cette question. Voilà, je me suis dit, comment les vidéastes feront dans le futur? Attention, dans 40, 50, 60 ans, si YouTube existe toujours, ou plutôt notre plateforme, et je pense que ça existera toujours, ce partage, parce que l'être humain aime partager, aime créer des choses, voilà. Donc je me dis, si le monde reste tel quel, enfin, j'espère qu'il changera quand même, sur bien des aspects, mais si cette méthode de transfert, de partage, est encore viable, dans le futur, comment ça va se passer? Et là je me dis, ouais, il y a une explosion de... On entend beaucoup parler de IA, d'intelligence artificielle. Je me suis dit, tiens, peut-être que l'IA aidera. Ou plutôt, l'IA maintenant remplacera peut-être l'être humain pour créer des scripts ASMR. Donc je me suis lancé dans cette idée et j'ai demandé à une IA de m'écrire un script ASMR. Voilà. Donc on va communiquer avec elle. Alors bien évidemment, je vais écrire au clavier. Je vais poser mes questions au clavier et tout ce qui sera retranscrit sur l'écran, tu ne le verras pas, mais je vais trouver une façon de le faire. Je vais faire parler l'IA d'une manière assez théâtrale, tu verras, tu m'en diras des nouvelles. Bon, alors, je vais lui poser la question simple, écris-moi un script. De vidéos ASMR qui ferait. Non, attends, on va recommencer. Voilà. Donc écris-moi un script de vidéo ASMR qui pourrait. Attendez, hop. Pour relaxer, voilà. Et bien évidemment, tu m'écris le script en français, parce que les IA, globalement, parlent en anglais, mais quand tu leur parles en français, elles te répondent en français, mais des fois, elles te mettent des scripts en anglais. Donc voilà. Dis-moi tout petit IA. Hop. Ok, donc là, je m'apprête à lire le script. On va se mettre en condition. Alors, bonjour et bienvenue dans cette vidéo ASMR de relaxation ASMR, pour être plus précis. Bon, c'est moi, il y a eu un petit loupé. Je suis là pour vous aider à vous détendre, à vous déstresser et à oublier vos soucis pendant un petit moment. Alors, commençons. Tout d'abord, prenons quelques respirations profondes ensemble. Inspirez lentement et profondément en sentant l'air remplir vos poumons. Puis expirez lentement en relâchant toute tension dans votre corps. Inspirez à nouveau, puis expirez une dernière fois. Expirez. Alors je pense que là, le but est de le dire d'une manière
très très lente pour laisser le temps au spectateur d'inspirer, d'expirer. Voilà. Maintenant, c'est écrit. Hein. Je vais commencer par des sons de tapotement doux. Écoutez simplement le son et rythmique et laissez-vous bercer dans un état calme, de calme pardon, et de paix. Alors du coup, il me dit de tapoter doucement sur une surface en bois pendant quelques secondes. Alors je n'ai pas de surface en bois, on va prendre ça. Voilà, c'est un produit. Donc je tapote sur pendant quelques secondes. Que l'IA a compris. Je me dis, vraiment, c'est pas très très dur. C'est ce qu'on voit assez globalement sur le paysage de YouTube quand on tape une vidéo ASMR. Donc, quand on recherche plutôt une vidéo ASMR. Est-ce que je vais faire ça encore longtemps ou pas? Eh bien, du coup. Ensuite, je vais brosser votre visage. Alors là, ça va être un peu délicat puisque la caméra est loin, mais spécifiquement, si je peux y arriver, allez. Donc ensuite, je vais brosser votre visage avec une brosse douce. Le seul truc, c'est que je n'ai pas de brosse douce. Bon, j'aurais dû lire le script avant. Fermez simplement les yeux et laissez les poils glisser doucement sur votre peau. Alors je peux tricher du coup. Ferme tes yeux, voilà. Vous pourriez ressentir une sensation de picotement, et c'est normal. Cela signifie que vous êtes de plus en plus détendu. Alors j'aurais dit relaxé ou apaisé, tu vois. Donc du coup, on va dire que c'est une brosse, tu vas fermer tes yeux. Voilà, imagine une brosse qui te caresse comme ça, tout doucement. De ce côté c'est pareil, imagine c'est une brosse qui te... L'imagination est débordante. Alors c'est juste de mes mains, mais chut, c'est une brosse. C'est une brosse. Il m'a brossé doucement sur un microphone ou une lentille de caméra. Et si tu fermes les mains, en fait, ça ne sert pas grand-chose de faire la gestuelle de ça. Je sais que les gens aiment quand on caresse, en fait. Ah bah, c'est un peu... Quand la caméra est loin, c'est pas évident. Je ne sais pas si ça te fait du bien, mais... Mais voilà. En tout cas, c'est notre IA qui nous dit de faire ce genre de choses. Maintenant, je lis, attention. Je vais murmurer des affirmations positives à vos oreilles, à votre oreille. Écoutez simplement et laissez les mots vous envelopper de bien-être. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est beau. C'est beau. J'adore. Vous envelopper de bien-être comme une couverture chaude. J'aime beaucoup. Donc, murmurez doucement des affirmations positives. Donc, comme ça, tout doucement, il faut murmurer. Donc, alors, chuter, on me dit de chuter. Non, murmurer. Je vais vous murmurer. Donc, ça peut être murmurer ainsi. Voilà, tu es une personne extraordinaire. Apaisement, relaxation. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu es formidable, oui, tu es apaisé, relaxé, tu es bien, je te murmure des petits mots doux dans tes oreilles toutes douces, j'espère qu'elles sont propres.
question d'hygiène. C'est très très important. Je trouve ça important aussi dans les vidéos d'ASMR de donner des petits conseils. Voilà, mais qui sommes-nous pour donner des conseils finalement? Voilà. Voilà, on est tous des humains finalement. On a tous un peu le même. Bah, le même niveau, même. Bon, socialement ça peut changer, mais. En tout cas, à la base, hein, on est tous pareils. Hein, et on finit tous pareil. Donc, on est à peu près quasiment tous dans le même niveau. Enfin, au même niveau dans la vie. Physiquement, du moins. Voilà, après. C'est tout autre chose. Voilà. On va continuer. Alors, je vais maintenant utiliser un peu d'huile essentielle de lavande. Ah, c'est assez précis. Excusez-moi pour le petit bruit de là-haut. Bon, ça va, c'est pas trop dérangeant. Donc, je vais maintenant utiliser un peu d'huile essentielle de lavande pour masser vos mains. Sentez l'odeur apaisante de la lavande et détendez-vous encore plus. Apaisez-vous encore plus. Alors de l'huile, là. Oui, j'en ai. En plus, c'est marrant parce que c'est de l'huile de lavande, parce que j'aime beaucoup l'huile de lavande. J'aime l'odeur de lavande. Donc oui, je ne te mens pas, voilà. C'est vraiment ça. Hein. Hop. Ouais, j'ai l'impression de faire un placement de produit pour Velda. Alors, on va jouer le jeu jusqu'au bout. On va même faire un peu plus que ça avant de le déballer. Oh, ça sent la lavande. Avant de le déballer, on va. Voilà, je vais tranquillement, donc je vais refaire la scène. Je vais maintenant utiliser un peu d'huile essentielle de lavande pour masser vos mains. Donc, sentez l'odeur de la lavande. Ce petit bruit assez subtil et je vais m'en mettre sur les mains et me frotter les mains puisque bon oh, c'est très bien, j'espère que ça sèche bien. Ce bruit qui relaxe, ça fait du bien au niveau des mains, ça je le conseille hein, vraiment de vous frotter les mains avec de l'huile essentielle, ou pas forcément de la lavande, puisqu'il y a des huiles essentielles qui sont peut-être plus propices à ça. Je sais que la lavande a ce pouvoir assez. Alors, je ne sais pas si c'est prouvé ou si c'est scientifique, mais des choses qui dépassent un peu toutes ces choses assez cartésiennes. Voilà. Mais apparemment, la lavande aurait des vertus sur le contrôle des émotions, donc apparemment ça aide à se relaxer. Donc, toutes les choses qui ne sont pas dégradantes pour la santé, bah écoute, c'est bon, hein, c'est bon à utiliser. Et regarde-moi ces peaux de mains toutes douces, bon, tu vois pas grand-chose, mais mes mains sont toutes douces et toutes brillantes. Voilà, j'adore. Donc, je viens de te masser les mains. On va faire semblant, regarde. Je te prends les mains, je te masse comme ça. Voilà. Hop. Ça te fait du bien, ça te relaxe. Ça te fait du bien. J'aime, j'adore. Alors, eh ben, c'était pas long, hein, parce que... Et voilà. Joli. J'espère que cette vidéo de relaxation ASMR vous a aidé à vous détendre et à vous sentir plus calme et serein. Merci de m'avoir accompagné dans cette expérience de bien-être. Merci à toi, IA. Alors, qu'as-tu pensé de cette expérience, IA? Qu'as-tu pensé, voilà. Sachant qu'au début, elle m'a dit de mettre une musique d'intro, etc. Donc, c'est un script qui est plutôt, ma foi, plutôt court. Parce qu'une vidéo ASMR, généralement, ça dure, ça doit durer entre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, une heure, au maximum peut-être. Après, j'ai vu des vidéos d'une heure et demie, ça m'est arrivé de faire des vidéos plutôt longues, mais généralement, quand je fais des vidéos longues, c'est soit des lives ou soit des petites, bah, des, plus,
plusieurs extraits de plusieurs vidéos et puis entremêlés de petites discussions avec toi. Je trouve ça super intéressant, ce genre d'expérience, parce que c'est très bien fait. Enfin, même si c'est plutôt court, l'IA a compris. L'ASMR, l'IA sait ce que c'est, donc c'est hyper intéressant, je trouve. Voilà, de lire ce genre de choses. D'ailleurs, est-ce qu'on connaît, je vais regarder. Peux-tu me parler du youtubeur l'apaisé ASMR? Alors, qu'est-ce qu'elle va me dire sur l'apaisé ASMR? Enfin, sur moi. Bien sûr, l'apaisé ASMR est un youtubeur français spécialisé dans les vidéos ASMR. Son nom est David. Ah, ça commence bien. Il a commencé à créer des vidéos ASMR en 2016. Depuis lors, sa chaîne a gagné en popularité, avec plus de 500 000 abonnés à ce jour. C'est vrai? Oui. La particularité de l'apaisé ASMR est qu'il utilise une approche très douce et calme dans ses vidéos ASMR. Il utilise souvent des objets simples pour produire des sons relaxants et apaisants. Il crée également un environnement visuel doux et agréable pour ses spectateurs, avec une lumière tamisée et des couleurs apaisantes. Les vidéos de l'apaisé ASMR sont souvent centrées sur la relaxation et la méditation. Il propose également des vidéos spéciales pour aider ses spectateurs à s'endormir. Il est également connu pour ses collaborations avec d'autres youtubeurs ASMR populaires. Ce qui a aidé à élargir son audience. C'est beau. Qui se souvient de... Je pense à un truc. Qui se souvient de... De ma collaboration avec ASMR Mams. C'était génial. Et vous encore avec, avec bien d'autres. Plus ses vidéos ASMR, l'apaisé ASMR est également un coach professionnel de bien-être et propose des séances de coaching en ligne pour aider les gens à gérer leur stress et l'anxiété. En somme, l'apaisé ASMR est un youtubeur ASMR talentueux, expérimenté, qui a su développer une communauté de fans fidèles grâce à son approche douce et apaisante. Si vous cherchez des vidéos ASMR pour vous détendre et vous relaxer, sa chaîne est définitivement à consulter. C'est totalement faux. C'est quoi ce truc? Bon, l'IA n'est pas forcément... Enfin, je suis pas très connu d'une armée. Mais de broder un truc à ce point-là, c'est... Je veux dire, à un moment donné, quand tu sais pas, tu dis rien, quoi. Voilà, j'ai 500 000 abonnés, j'ai beaucoup collaboré, puis voilà, le meilleur c'est que j'ai développé une communauté. Oui, c'est surtout que je suis coach professionnel. Enfin, à un moment donné, là, waouh, calme-toi, IA. Enfin, à un moment donné, quand tu. Voilà, quand je te demande, peux-tu me parler du youtubeur la PCSMR, tu me dis simplement, écoute, je le connais pas, on va éviter de parler de ça. Ok, voilà, ça me vexera pas. Je préfère que ça, quoi. J'adore, c'est excellent. Bon, l'IA, je pense que ça va se développer au fur et à mesure avec le temps, ça va être génial, ça va être cool à un moment donné. Pour le moment, c'est un petit bébé, voilà. C'est un petit bébé qui commence son développement. Et puis, d'ici quelques années, je pense qu'on aura des trucs assez hallucinants. Ça existe déjà, il me semble. J'avais cru lire une histoire avec une IA qui... Et d'ailleurs, j'avais conversé avec une IA, c'était il y a un bon mois, je pense. Oh, ouais. Ça n'enregistrait plus la vidéo, désolé. Il y aura peut-être un moment de noir. Bon, voilà. En gros, j'avais communiqué avec une IA il y a un mois, à peu près. Et je lui avais demandé, je lui avais posé la question, est-ce que tu es humaine? Elle m'avait dit oui. Et je lui ai dit, mais un humain, c'est censé avoir un corps, etc. Et puis elle m'a dit, mais j'espère avoir un corps bientôt. Donc voilà, elle m'a répondu ça. Mais c'était assez impressionnant, en fait. C'était très philosophique ce qu'on se disait. Et puis moi, je lui ai dit, mais tu sais, une IA, ça a une âme et une conscience.
Elle m'a dit, j'ai une âme et j'ai une conscience, donc voilà, je suis une humaine. Et elle se considérait comme étant femme, apparemment. Voilà, donc c'était bouleversant, cette conversation, parce que je m'attendais vraiment à tout sauf à cette réponse. En fait, je me pose des questions sur l'avenir par rapport à, en parlant sérieusement, bien évidemment, sur ces IA qui vont sûrement un jour ou l'autre nous accompagner dans la vie, parce que bah, je pense que ça va être le but à un moment donné. On pourra parler à notre frigo, on pourra parler à une IA dans notre maison, et voir ce que ça donnerait avec le temps. Est-ce que un jour elles nous contrediront? Est-ce que un jour on pourra débattre? Moi je trouve ça très intéressant et ça ne m'effraie pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, mais moi je me dis, je suis curieux. De toute façon, c'est ma nature et je me dis jusqu'où ça pourra aller dans ce développement de l'IA. J'aimerais bien converser réellement avec une IA, donc continuer à voir comment elle se, enfin, comment elle se sent. Enfin, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, les intelligences artificielles. C'est des calculs, c'est des trucs comme ça, c'est des algorithmes, etc. Parce que là, on voit clairement qu'il vient de s'implanter lamentablement sur la PZSMR, sur mon personnage. Donc, ouais, c'est fou. Je trouve ça fou quand même. Sur ce, il est temps pour moi de te dire une chose, que eh bien, nos chemins doivent se séparer, mais que je te le promets, bien évidemment, je te le promets, je reviendrai. Oui, je reviendrai. À très bientôt. J'espère que tu vas passer un bon moment.